Vous écoutez la radio ici et maintenant sur 95.2 FM et vous avez cette possibilité d'intervenir et de réagir pour cette antenne libre. Alors n'hésitez pas dès maintenant, vous pouvez composer le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 20 ou bien vous pouvez poster des commentaires et des propositions sur le forum de la radio, le forum.fm dans la partie revue de presse interactive. Alors évidemment quelques sujets voilà qui occupent l'actualité d'aujourd'hui et plus précisément cette intervention donc d'Emmanuel Macron qui a donc donné sa réponse aux gilets jaunes. Voilà, après des mois de tractations et de préparatifs, eh bien Emmanuel Macron a dévoilé aujourd'hui, mardi 27 novembre, sa stratégie pour la transition écologique de la France sur les 10 prochaines années. Le secteur énergétique attendait les arbitrages de l'exécutif, notamment en matière de nucléaire, mais les observateurs et le public guettaient aussi les premières déclarations d'Emmanuel Macron en réponse à la mobilisation citoyenne dite des gilets jaunes qui s'est cristallisée autour de la hausse des prix des carburants et de leur taxation. Lors du Conseil des ministres, c'était lundi 26 novembre, Emmanuel Macron avait évoqué un changement de méthode sans renier sa politique. Après donc avoir installé le Haut Conseil pour le climat, Emmanuel Macron a donc aujourd'hui présenté son projet et sa méthode pour la transition écologique devant le Conseil national de la transition écologique. Il a entamé son discours en exprimant de la compréhension pour la contestation qui s'exprime dans le pays et conclut en disant qu'il allait tout mettre en œuvre pour que l'écologie à la française soit une écologie populaire. Alors a-t-il réussi à calmer la colère des gilets jaunes par son discours ? Pas, eh bien, c'est à vous de nous le dire, évidemment, avec vos sentiments et vos réactions pour les personnes qui ont suivi cette intervention, pour les personnes qui n'ont pas écouté donc les annonces d'Emmanuel Macron. On va voir ensemble les principales déclarations et puis vous allez pouvoir commenter, bien sûr, et intervenir. Eh bien, sur la mobilisation des gilets jaunes, je cite, « Cette rencontre prend un écho particulier depuis plusieurs semaines, un mouvement de contestation de plus large ampleur, partie du prix du carburant, a grandi dans le pays. Il y a eu des manifestations importantes et des violences inacceptables. Je ne confonds pas ces actes inacceptables avec le mouvement sur lequel ils se sont greffés. J'éprouve de la compréhension pour les citoyens, mais je ne céderai rien à ceux qui veulent le désordre. » Et sur la responsabilité de ses prédécesseurs et de ses opposants politiques, Emmanuel Macron a dit, je cite, « Lorsqu'on parle des actions de la nation pour répondre aux défis du réchauffement climatique, force est de constater que nous avons fait trop peu. Par trop peu, je veux parler des dirigeants que nous sommes, dirigeants politiques, dirigeants d'entreprises, etc. Pour un responsable politique, comment être à la hauteur de cette immense responsabilité collective ?» En ne changeant pas d'avis, en assumant ses convictions et décisions. On ne peut pas être le lundi pour l'environnement et le mardi contre la hausse des prix du carburant. Ensuite, en ne changeant pas la vérité, que les responsables politiques omettent de rappeler leur position historique, ce n'est pas digne. Ce haut commissariat doit rétablir des faits. On ne peut pas confronter des avis sur des contre-vérités. Enfin, en ne changeant pas de cap, je sais que les habitués de la politique attendent de moi un renoncement, une esquive, de laisser le présent prévaloir sur le futur, mais plus on attend, plus les effets seront douloureux. »
Bien, Emmanuel Macron, lors de son discours ce matin, a également fait des commentaires et des réflexions sur les inégalités sociales, sur la dépendance aux énergies fossiles, sur la sortie des énergies fossiles, sur la transition de la production d'électricité, également sur le coût de cette stratégie pour le consommateur final, et puis également sur la sortie du nucléaire. Emmanuel Macron a conclu sa présentation en revenant une nouvelle fois sur les inégalités sociales et le mouvement des Gilets jaunes sans jamais les nommer. Je cite, je refuse que la transition écologique accentue les inégalités entre les territoires. Et c'est cela, au fond, la crainte exprimée par nombre de nos concitoyens ces derniers jours. Cette crainte, je ne peux pas, je ne peux que la comprendre, excusez-moi, et la partager, a-t-il ajouté. Pour lui, c'est la méthode qui a pêché jusqu'ici et créé le sentiment que la transition écologique est réservée aux bobos urbains, d'après les termes qu'il a utilisés. Il s'est aussi engagé à tout mettre en œuvre pour que l'écologie à la française que nous sommes en train de mettre en place soit une écologie populaire. Fin de citation. Alors évidemment, parmi ces différents points qu'il a évoqués, on pourra essayer de les écouter aussi en audio, en extrait audio. Ce sera sans doute plus simple, bien sûr, mais vous avez sans doute, pas mal d'entre vous, dû suivre cette réponse donc d'Emmanuel Macron qui était tout de même assez attendue. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous pensez que ce discours risque de durcir le mouvement ou bien au contraire de le calmer? Et puis, il y a d'autres questions également qu'on pourra se poser tout au long de cette émission par rapport à cette déclaration d'Emmanuel Macron, mais n'hésitez pas à intervenir, voilà, par rapport aussi à cette antenne libre qui est à votre disposition et qui vous donne cette possibilité d'aborder d'autres sujets qui vous préoccupent et qui vous intéressent aussi. Alors, on vous attendait maintenant sur 95.2, c'est le 08 92 23 95 20.